Pendant près d'un millénaire, les cités phéniciennes, telles que Byblos, Sedan et Tyr, ont régné sur le commerce méditerranéen. Navigateurs et commerçants hors pair, les Phéniciens sont aussi connus pour l'invention de l'alphabet. Dès l'Antiquité, ils sont célébrés par Homère et fondèrent de nombreux comptoirs sur le versant africain du Méditerranée, notamment Carthage, en 814. Ce commerce phénicien a connu un essor exceptionnel. Ils cultivaient aussi des vignes, exportaient le vin, notamment aux Égyptiens. Ils faisaient du commerce avec des populations moins évoluées, un commerce qui avait lieu le plus souvent sur les rivages de l'Afrique occidentale. Ils ont même créé des techniques agricoles dont on a conservé la trace grâce à un traité écrit par Magan érudit du 2e siècle avant Jésus-Christ. Carthage, l'ancienne colonie phénicienne, a également longé les côtes d'Afrique de l'Ouest jusqu'au Gabon, sous la conduite du navigateur et explorateur carthaginois Hannum.